Voilà, commence une journée tout à fait unique. Il est 6h30 du matin. On vient de venir nous chercher à l'hôtel pour nous emmener prendre le bateau à Port Lincoln, sud de l'Australie. Le bateau que voilà. Et là, on a petit déjeuner et 2h30 pour aller en mer. C'est parti. Bon bah ça commence bien, déjà à peine arrivé, petit déjeuner, croissant, il y a des fruits derrière le monsieur, le bateau est pas mal du tout, on va être assez bien. Là on nous explique un peu comment la journée va se passer. On ne comprend pas tout, mais c'est pas grave. On va au Neptune Island. Now you've probably no doubt heard the great whites have been a little bit scarce the last 10 days, 2 weeks. Every day is a new day. We're out here today. We've got no great whites. We did have a few bronze whalers around with sort of mixed action, but yeah, there was plenty of fishing to be had. We'll get the fishing rods out, catch a heap of trevally, have a good time, and hey, just lucky that you're not at work, I suppose. But every day is a new day. Voilà, départ du port. Un petit aperçu du bateau, la fameuse cage dans laquelle on va rentrer, et c'est parti pour le large. Là, ça fait une heure à peu près qu'on est parti, ça commence à bouger un petit peu. Vaut mieux se tenir, c'est pas encore le. C'est pas la tempête, mais. Il vaut mieux se tenir un peu. On essaye de dormir un peu. Mais ça bouge pas mal. Un peu agité. Je sais pas si ça se verra sur les images ou pas, mais voilà, on va se poser et puis on va voir la suite du programme. Espérons que nos amis les requins soient avec nous. Make your way down the steps one at a time. Cage will be in up against the back of the boat, then just step from the marlin board, the top step of the cage here. Make sure you're making use of the handrail, aim to see you fall in. Take a step, another step down, turn around, face towards the boat, and then take a couple more steps down, just so you end up about here on the ladder. Don't want to see you up too high, because we'd hate to see you to topple over and end up in the creek. Now, has anyone not dived before? Got any first timers today? It's okay if you are, that's fine, cool. So we've got a couple of compressors on board just below decks here. Air comes out of there, goes through a water separator, through a filter,
Bon, on vient d'être briefé sur les procédures de sécurité, comment ça allait à peu près se passer. Et maintenant, bah, on met la cage à l'eau. Et puis, je pense qu'on va commencer à les attirer en lançant un peu d'appât. Bon, on attend toujours des requins. Et ben, en attendant, on va aller faire un tour à l'intérieur et manger un petit coup. Voilà Glenn, notre ami. Donc on va les servir sur le buffet qui vient d'être préparé. Ouh, bah on est pas mal. Ah, le soleil s'est levé, mais malheureusement rien d'autre. Bon, en vrai, va pas super bien. Mais ça va aller. Bon bah, malheureusement.
malheureusement on n'aura pas vu de requin. Ah, il lève la cage. J'ai passé un petit moment dedans à bien regarder, mais rien du tout. Rien du tout, du tout. On a été malchanceux et c'est un peu dommage, évidemment. Pas cette fois-ci. J'aurais eu la chance de voir et de faire profiter à tout le monde d'un grand requin blanc. Ou voir au moins d'un autre requin, mais un grand blanc, ça aurait été sympa quand même. Dommage. Pas mal de vagues là, c'est sympa. Si on voit à l'écran, mais il y a des bonnes lames qui arrivent au fur et à mesure. Retour au bord, journée terminée, malheureusement un peu bredouille. Bon, c'était sympa quand même évidemment, mais on est tous sur le bateau dégoûtés de ne pas avoir vu de grands requins blancs passer à quelques mètres de nous, surtout qu'il y avait des films, des documentaires diffusés dans le bateau. Mais on rêvait tous évidemment d'en voir un arriver et tourner autour de un ou plusieurs d'ailleurs, et tourner autour de la cage, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ce sera pour une autre fois.